Salut Lyros, comment ça va aujourd'hui? T'es sûr que ça va? Parce que moi j'ai une grande Moi, nouvelle. ça va pas très bien. Parce que demain, l'école, elle reprend. Oh, demain l'école recommence. Bah En plus, d'ailleurs, c'est le soir. dites-nous les abonnés si vous avez encore école à l'heure où on fait cette vidéo, parce que Ben on non. est impatients de savoir. Alors, une grande nouvelle aujourd'hui. Tu te souviens, je t'ai inscrit à The Voice Kids. C'est une blague! Non? Et on a reçu la réponse par mail. Mais j'ai pas envie, moi, de participer à Et The j'ai Voice! reçu la réponse. Et tu es accepté pour la prochaine saison de The Voice Kids. Alors, Liros, qu'est-ce que tu en penses? Je suis pas contente! Tu veux pas aller à The Voice Kids? Non! Tu ne veux pas aller à The Voice Kids, mais tu sais que c'est le rêve de plein de petites filles. Parce que vraiment, et même de J'ai envie plein. d'y aller, mais pas maintenant, enfin, Mais je tu sais veux pas, pas moi. montrer tous tes talents de chanteuse qui Qui sont dit que je chante incroyables. mal en plus? Mais non, tu chantes très très bien. D'ailleurs, j'ai préparé pour toi un magnifique micro. Alors, est-ce que tu es prête pour chanter? Non, On va je commencer les sais entraînements de pas. The Voice Kids. Comme ça, tu seras prête pour Mais le là, je suis tournage. tranquille sur ma tablette. Et là, tu m'appelles pour une nouvelle que je ne veux même pas. Mais c'est quand même The Voice Kids. À ton avis, est-ce qu'un coach va se retourner? Parce que c'est... Moi, je suis impatient de savoir. Moi, j'ai pas envie d'y aller, donc j'irai pas en fait. Est-ce que tu veux chanter pour nous alors? Même sans aller à The Quoi comme Voice Kids. chanson? Et j'ai même prévu des petits déguisements comme ça que tu peux mettre et une guitare. Comme une vraie pop star. Alouette, Alors ça, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la Alouette, viens chanson... sur internet. Alouette, viens, on va surfer. Ça, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la musique du Google Google Home. Home. Voilà. Donc On d'ailleurs, dirait que tiens, c'est une star. une petite star. Alors, on va fermer la lumière. Dans le live. Oui, On va mettre les petites lumières comme ça. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, mets la petite perruque. La petite perruque de punk. Et j'espère que tous que c'est les pas abonnés... arrivé quand il était plus jeune. Je sais pas si Voilà. ça se met comme ça ou c'est une crête. C'est une crête. Ouh, attention, le spectacle va commencer. Alors, est-ce que vous êtes prêts à recevoir sur le plateau de The Voice Kids, Pink Lily et Vileo? Alors, bonjour Pink Lily, qu'est-ce que tu vas nous chanter aujourd'hui? Je sais pas. Alors, bah, pour l'entraînement... Je chante vraiment normal ou n'importe Ah bah comment? tu chantes comme tu veux, hein, comme si tu étais à l'entraînement de The Voice La Kids. chanson que j'ai vue Voilà. D'ailleurs, tu aimerais avoir quoi comme coach? Qui plutôt comme coach? à Quel est ton Je rêve de sais coach? pas. En fait, j'aime bien Patrick Fiori. Patrick Fiori. Et aussi Jennifer et Soprano. Je sais pas. Allez, donc chante. On va voir s'ils se retournent. Ils sont là. Ah bah non, bah c'est un entraînement. Allez, chante-nous une petite chanson. Allez Lily Rose, est-ce que tu es prête à Chante chanter? bien ou mal? Tu chantes magnifiquement bien. Allez, chante-nous une souris verte pour commencer. Une Souris souris verte. Ouais, je m'applique pas en fait. verte. Qui Oui, je courait dans m'applique. Je m'applique l'herbe. ou je m'applique pas? Alors d'abord, avant que tu commences, j'ai une autre nouvelle à t'annoncer. Alors bon, tu sais très bien que bon, on t'a inscrit à The Voice Kids. Mais en plus, on a reçu un message de youtubeurs qui sont prêts à venir te filmer pendant que tu chantes à The Voice Kids. Alors ça, c'est la surprise, mais pendant que tu vas chanter, en plus, ça va être sur YouTube en live, sur ta chaîne YouTube, filmé Je par peux plus d'autres faire des youtubeurs. lives pendant 3 mois. Mais c'est pas grave, ça. On va pouvoir faire un live où on te voit chanter. Bon, je chante ou je sais pas. Allez, bon, on te regarde. Hein. Les abonnés te regardent. Est-ce que tu es Mais en prête? fait, c'est une chanson que j'ai vue sur The Voice. Mais Mais bon, si c'est pas les bonnes paroles, tant pis. on ne t'en veut pas. Allez. Ah. D'ailleurs, si vous connaissez les paroles, un petit commentaire. Ok.
Elle est très 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 timide quand même, cette petite fille. Bon bah je chante un peu mal, mais c'est comme d'habitude en fait. Voilà. Ah bah d'ailleurs, on a une musique pour vous. Une musique qu'on a écrite pour vous qui est attends, une reprise. On la chante ou pas? Vas-y, allez, explique ce que c'est cette musique. En fait, c'est une reprise d'Angèle, il faudrait tout oublier. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne les paroles? Fais-la bien. C'est pas grave s'il n'y a pas la musique. Vas-y, allez. Une caméra greffée au poing, des likes jusque dans les mains, les vidéos et pour vous plaire, je vous aime. Pour vous, je n'hésiterai jamais. Nos rêves sont réalité, de nos envies je fais le vrai, c'est la récré. Je m'amuse, je joue, je rigole, c'est pas compliqué d'être heureux. Je m'amuse, je joue, je rigole, c'est pas compliqué. Il me faut plein d'abonnés. Et surtout, n'oubliez pas de liker. Je m'amuse, sans jamais m'arrêter. C'est 10 000, si je les veux, je les aurai. Bravo, alors là, bon, on précise donc, juste que... Avant, bon, merci beaucoup à Team DBZ et à Malia19. Vincent d'ailleurs. Voilà. Alors, maintenant, chante la chanson de The Voice ou... Si tu veux, mais alors, on tient à préciser aux abonnés que là, tu n'étais pas entraîné. Là, c'était un petit peu à l'improviste. Donc, ta voix n'était pas chauffée, c'est pour ça que des fois, en fin de phrase... Alors, cette musique, on l'a écrite pour les 1000 abonnés, mais sauf qu'on n'a pas eu le temps parce que vous êtes arrivés tellement vite. D'ailleurs, est-ce que t'as été surprise, toi, par les 1000 abonnés? Bah, je savais que ça allait forcément arriver à jour. On vous dit complètement au début de la chaîne, on pensait pas du tout que ça allait faire ça. Ça pour nous, c'est énorme. Enfin, ça a super bien fonctionné. Je vais chanter la chanson de The Voice. Allez, c'est parti. Donc, que j'ai vu sur une vidéo The Voice. En fait, c'est une chanson que j'ai vue. Allez, vu, voilà. Est-ce que tu es prête? C'est parti. Allez, elle est vraiment très stressée. Hein. Bah, imagine devant des milliers de personnes comme ça, The Voice Kids avec des millions. Surtout devant des grands chanteurs. Et des millions à la télé qui te regardent comme ça. Alors. Allez, c'est parti. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qu'il portait comme un boulet de canon, qu'il semait la terreur dans toute la région. Ouais, c'était génial. Non, c'était nul. Ah non, c'était très bien. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire quand même, parce qu'on est, très pressé de savoir et d'avoir vos retours. Alors, je pense que là, t'es prête pour aller à The Voice. Non. Mais si, tu chantes très j'espère bien. J'espère que c'est pas vrai d'ailleurs. Si, c'est vrai. Désolé. Mais j'ai le mail, hein, si tu veux, je te le montre. Bon, il est sur ma tablette. En plus, c'est un mail écrit par Soprano. Non, c'est quoi? Si, regarde. Regarde, c'est signé Soprano. Alors, t'es convaincu maintenant? Ça va? Bon, allez. Assieds-toi. Okay. Sur ton lit. Parce que là, on va te dire quelque chose par rapport à The Voice. Alors bon, apparemment t'es pas très contente d'y aller, ce que je peux comprendre. En fait, j'ai envie d'y aller, mais pas vraiment. Pas tout de suite. Voilà. Donc, je vais dire quelque chose. J'espère que tu vas pas m'en vouloir. C'était un prank. Ouf. En vrai, tu vas pas à The Voice, mais c'était juste pour montrer aux abonnés comment tu chantes, parce qu'il y a plein d'abonnés qui sur les lives voulaient te voir chanter. Étant donné qu'on ne fait plus de live pendant 3 mois, on voulait voir, et comme ça, j'ai dit, si elle croit que c'est The Voice, elle va un peu déstresser, mais au final, tu es très stressée quand même de chanter devant tes abonnés. Et pourtant, tous les jours, il y a des milliers d'abonnés qui te regardent. Hein. Ouais. Mais bon. Alors, un petit mot pour la fin quand même. Voilà. ton outro peut-être, je sais pas. Bah, en fait, alors. Bah, moi je m'attendais pas à ce que Esteban me dise ça. Mais bon, on fait tout le temps des pranks, donc tu devais t'y attendre un peu quand même. Alors, ta petite outro, qu'est-ce qu'on demande aux gens en fin de vidéo? Donc, j'espère que
que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Bye bye. Et surtout, cliquez sur la cloche pour recevoir nos notifications quand une vidéo sort. Donc, pour une dernière fois...